Et bonjour à toutes et à tous, c'est le retour de la fine équipe. Et c'est la merde. À peine. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ça et ça a sonné le glas de la saison 1, tu vois. Non, on va récupérer notre Twiggies. Oui. Mais faut que je coupe le son de la voiture là. Qu'est-ce que tu dis? Ah merde, comment mais c'est un sac ici. Comment on désactive le son du moteur là? Je pense pas qu'on puisse vraiment désactiver le son du moteur. Ah si on peut. Je sais pas, faudrait être mécano pour faire ça. Bruit des moteurs des véhicules, ça y est. On passe à travers. Ah merde, y'a pas de phare, ce caisse. C'est un cul-de-sac ici là, hein, je sais bien. Tu t'attendais à quoi? Oh là, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces armées de zombies? Attends, y'a des mecs en feu partout. Et pourquoi t'as pas repris notre bagnole? Aïe. Putain. Oh là. J'en ai marre, je me casse. Je suis. Vas-y, oh roule. Non. Moi, je le coupe complètement le bruit. Tu veux que j'entende prendre des ampoules? Oh là. Il paraît que Slan en avait dans son garage. Ouais, j'en ai plus, j'en ai dans la poche des ampoules. elles doivent être en bon état. Si tu veux, je te donne les ampoules qu'on a nous. Ouais, super. Allez, oh là. Tu vas où? Qu'est-ce qu'il fait? Je vérifie qu'on est bien à un endroit, mais comme j'ai pas de phare avant, je vois rien. On est dans une station essence là. Personne n'a un tournevis pour prendre les phares sur des bagnoles, non? Oh putain. Si moi j'y vais, je peux y aller. Tiens, bah attends, bouge pas, Katox. Attends, je m'arrête. Non bah ouais, tu bouges pas effectivement. Non, je suis tombé, non, je vais me faire bouffer. Non. C'est bon, je suis arrivé à me relever, je sais pas comment. Putain, mais coupe le moteur, Katox, bordel. J'ai aucune arme, hein. Oh, y'a celui-là, j'ai une hache. Non. Alors. Oh le drame. Vous êtes sûr que vous êtes en train de me couvrir, hein? Mais non, j'ai aucune arme, comment tu veux que je te couvre? Y'a des zombies partout. Je sais même pas où t'es. C'est bon, il est là. Bah, tu cours devant pour qu'on te cible. Ah oh, putain, c'est partout, quoi. Wouah. Aïe, elle est où votre bagnole? Elle est là-bas? Ouais, garée sur la gauche. À votre bagnole maintenant? T'as pas besoin de faire à l'arrière quand même? Non, on s'en fout. Bah après, essayez de me rapprocher de votre voiture histoire d'être en. S'il y a un peu de circulation, ça peut, c'est mieux pour les autres. Y'a plus rien sur votre bagnole? Bah, on a pris ce qu'on pouvait, hein. Non, mais je veux dire, la bagnole, elle est plus en état de rouler là. Katox, pourquoi t'as pas repris notre 4x4 là? Parce qu'il était en train de cramer. Ah! C'est une bonne réponse. C'est effectivement une bonne réponse. Oh, putain. Non, vous êtes sérieux. C'est pas ma faute. Hein. Ouais, ça y est, on repart. Ouais, on repart, faut qu'on aille en ville. Bah tu me guides, Slan. Ouais, là, par là, ouais. Allez, en voiture, Simone. Ah, c'est mieux. Moi, je propose qu'on aille à la ville d'où on a démarré déjà et qu'on essaye de voir un petit peu entre-temps s'il y a moyen de faire quelque chose. Je roule sur la bande du dessous. Je suis à moitié de carburant, hein, je me préviens. Ça suffira. Sauf si on va. Non, je préfère pas en parler de ça tout de suite pour l'instant. Bon, sauf si on va au mall, tu vois. Non, pas le mall, mais bon, il y a un endroit. Il y a un endroit qui est safe où il n'y a pas de zombies en fait. Mais le truc, c'est que je suis pas du tout sûr de pouvoir trouver ça. Mais. Calmez-vous les zombies. The fuck. Ah, j'avais prévenu qu'il y avait des zombies au milieu. Parce qu'en fait, dans cette nouvelle mise à jour, ils ont fait une base secrète qui est complètement à l'abri en fait. Où on serait tranquille en fait. Et si vous voulez, parce que c'est les secrètes. Bah en fait, j'ai pas guidé. Mais c'est à l'autre bout du monde quoi. Bah avec on a qu'à fabriquer un téléporteur. Ça c'est pas le bon jeu. Mais en fait c'est vraiment, en plus c'est perdu dans les forêts quoi. Ah, et nous aussi ça. On va être perdu dans la forêt. Bah c'est cool. Au moins. Bon on pourra avoir le feu toujours, mais que le feu quoi. Ah j'ai pas emmené les bons tuyaux avec moi. Moi non plus. Ah si. Ah, bah, moi, j'ai, ou alors la technique. On met le feu à la forêt d'abord et après on retrouvera facilement la base. Bah voilà, ah ouais. J'ai 5 bombes incendiaires si vous voulez. Moi aussi. Mais par contre après je suis pas du tout sûr que les zombies ne viendront pas. Mais c'est compliqué hein pour aller là-bas. Déjà moi j'ai soif et tout, il y a un moment il va falloir qu'on s'arrête. Hein.
Et d'autant plus que là, je suis en train d'essayer de boire la bombe incendiaire. Pourquoi je peux te déballer une bombe incendiaire? Ça se tient, je pense. Qu'est-ce qui se passe quand on déballe une bombe incendiaire? Il y a un sponge. Attends qu'on vous voit à l'écran. Attends. Arrête la voiture, sortez tous. Tu vois le signe noir en feu? Barrez-vous, ça l'a encore la merde. Ah non, moi j'ai rien fait. J'ai même pas lancé une bombe ou deux. Ouais, pour une fois que c'est pas toi. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on fait là, Katox? Ils sont là, les copains? Je sais pas, c'est un spiffo. Ça se spiffo. Mais on est passé il y a une demi-heure, je voulais m'arrêter pour manger au spiffo, moi. Bah, pourquoi tu m'as pas dit? Alors, on a des conserves. Tu m'as rien dit du tout. Mais tu m'as mute sur Discord. N'importe quoi. Ouais, j'ai un ouvre-boîte et on a une conserve de bolognaise. Ah bah super. Là il y a à manger hein, si tu veux qu'on s'arrête, c'est pas super safe mais... Ouais, pas super safe c'est le mot ouais. C'est bon, j'ai plus faim. Est-ce que tu veux la moitié de ma conserve de spaghetti bolognaise, Katox? Tu veux vraiment qu'on s'arrête là? Tiens regarde, par terre il y a une conserve. Viens, c'est un food market ici. Ah, une bouteille de whisky, Katox! J'ai déjà bu quelques-unes en partant. Ce truc que j'ai réussi à choper dans la panique, c'était deux bouteilles de chardonnay, j'ai fait... Ah oui, il y a un food market là, je l'avais pas vu. Tu peux boire du liquide de nettoyage. Bon, je coupe le dernier Twiggies avant la fin du monde. Ah, c'est vraiment ça. Putain, mais il y a vraiment pas une arme qui traîne là, une connerie. Il y a quand même pas mal de zombies. Hein. Bah ah bon ouais, c'est toi qui as voulu t'arrêter. Hein. Alors j'ai une idée, je vais envoyer une bombe incendiaire un peu loin. J'ai 3 bouteilles de whisky pour la route. Et ça, c'est bon. On va se partager ça. Et tu sais quoi, tu peux rouler bourré, tu garderas tes points, y'a plus de flic. C'est quand tu veux, Slan. C'est parti. C'est bon, ça va les attirer, ça. Hé, hey, Dame Dead. Ouais. Sors du spiffo. Non. Putain. Non. Slan, t'es où? J'arrive. Ils sont partout, ils attaquent la bagnole. On se casse. On démarre plus! Merde! Vas-y, rentre, même... t'es où? Je te vois pas, je peux pas voir derrière. Fuck you, bastard! Y'en a un qui court là. Ah, il court vite quand même là. Fuck the world! Les laisse pas taper dans la bagnole, ils vont la casser. Bah, je fais ce que je peux, mais je t'attends. Ah, c'est clair. Non, faut pas m'attendre. Moi, faut que j'aille dedans pour essayer de trouver de la nourriture. Vive José Bové! Non bah je peux pas y aller. Attends, j'ai fait le tour, genre ça explose de partout dans ce jeu, on se croirait encore ça. Ouais. Ça... Vas-y, je suis devant la porte. Votre mission, si vous l'avez écouté, débrouiller tous les spiffos de Project Zomboid. Allez, rentre. C'est fermé. Hein? Mais non. Ah putain. Le mec il court devant moi. Sérieusement. Tu l'as écrasé? Un petit bout. Il m'a dit monte. J'étais jusqu'à la porte, c'était fermé à clé. Mais c'est pas fermé, les portes sont ouvertes là. T'es où? Avance, vas-y, avance. Regarde la boîte bon, à gants. Ah merde, mais repasse pas devant. Ça brûle ici. Ça brûle ici? Bah oui, regarde. Mais oui, devant. Il a balancé des bombes incendiaires, ce con. Non, j'en ai balancé qu'une seule. Bah au moins, vas-y, rentre. Dans l'herbe, ça craint rien. Ouais, c'est nous, on vient juste de voir l'herbe cramée, quoi. Ouais, c'est ça. Et les zombies qui vont avec. Quoi. Bon, je me suis fait mordre 4 fois. Katox, regarde la boîte et à gants. Et t'es avec moi dans la voiture. Ah mais même les zombies ici sont en flamme, qu'est-ce qu'ils font en flamme ici, sérieux? Mais j'ai pas été mordu en fait pour de vrai, en fait. J'ai juste été blessé à chaque fois. J'ai la peau épaisse. Ouais, toi t'es un vrai, toi. Et en conduisant, c'est trop classe. En faisant les manœuvres entre les arbres de colle, c'est trop... Bon bah du coup j'ai pas beaucoup plus d'eau donc j'ai encore soif. Ah putain. Ah mais vous êtes là les gars. Ah bah voilà, on les a retrouvés. Pourquoi il fait hic? Il a picolé l'autre. Katox, c'est sérieux, tu conduis ta picolée. C'est moi hein, tout ce que j'ai fait c'est boire depuis le début et là pour la dernière bouteille il me dit vous êtes trop repu pour manger davantage. Énorme. Oh bah, merde. Bon, je l'ai picolé, moi je l'ai sifflé. Voilà, on s'est sifflé 3 bouteilles de whisky en quoi, même pas 100 mètres de bagnole?
peu 150 près. Mètres depuis ça. On a une bonne descente quand même. Hein. Bon, si jamais vous vous arrêtez, vous criez parce que je suis derrière vous. Hein. Ah là, mais c'est zombies partout là. Pour pas mentir, ça devient dur de maintenir la trajectoire quand même. Est-ce qu'on peut jeter des bombes par la fenêtre? Je pense qu'il vaut mieux que j'ouvre la fenêtre d'abord, non? Je pense qu'il vaut mieux que t'essayes pas ça. Alors fermez la fenêtre. Elle était ouverte la fenêtre? Moi j'ai plus de vitre moi. Si, t'as une vitre de ton côté. Bah c'est noir en tout cas, je vois du noir. Ah ouais, ah, non, t'as raison, t'as raison, t'as plus de vitre. Ah mais j'avoue que... Oh, Katox. Ah, les mecs qui roulent, ils en peuvent plus quoi. Je reprends contrôle du véhicule. Je vais rester assez loin, hein, vous m'en voudrez pas. Ouais, reste pas sur la même voie, mais bon, je pense qu'il prend les deux voies. Bah ouais, c'est un fais peu gaffe, chaud, quand tu roules là, tu vas avoir un... Oh, c'est pas bon de conduire bourré, les gens, c'est pas bon. Eh, hey, c'est plus compliqué que ce qu'il dit, pareil. Ouais, ça a l'air. Ah, la simulation de l'alcool a l'air assez sympathique. Ouais, attends, il faut que je referme ma fenêtre, moi. Ah, ils ont géré ça, je pensais pas, c'est classe. Le bazar. Ah, peut-être que l'accident l'a réveillé, parce que là, du coup, ça va plus. Putain de merde. Eh, roule pas au milieu, il y a des feux au milieu sur la bande jaune. Katox, arrête la bagnole, hein, putain, arrête la bagnole, arrête la bagnole, Katox. Vomis par la fenêtre. Putain de bagnole, arrête cette putain de bagnole. Arrête là, oh, tout de suite. Où on est arrivé? Ah putain, non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais putain, mais m'écrase pas. Oui, mais t'es con aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Aïe. Mais qu'est-ce que... Mais c'était la plan qu'on pouvait se mettre. Mais je suis bourré, putain. Allez tous vous faire enculer, voilà. America first. Ah. Qu'est-ce qui passe devant moi, lui? America. Hey. Mais préviens. Ah non, mais non. Mais vous... Là, c'est plus la peine, hein, j'ai deux fractures. Hein. Putain. Non, t'es sérieux, là? Hey, Damned, sors avec le flingue. Vite, sors avec le flingue. Pourquoi faire? Vite, vite, vite. Mais pour dégommer les zombies, je peux plus marcher, moi. Putain. J'ai plus de balles. Madame Ned, j'ai plus de balles, attends, faut que je recharge. Putain, j'ai plus de balles. Et t'es revenu dessus. Putain, non. Barrez-vous. Oh merde. Bon ben voilà, Sun is dead. C'est bon, casse-toi, Katox. Ah! Oh putain, sérieux! Oh non! Monte dans la voiture! Oh, on dégage! Et tout ça, c'est pas à cause de moi, hein! Et de mon alcoolisme! Mais fallait pas sortir de la bagnole, vous juste tirer sur tout le monde, moi! Oh putain! Je suis loin là, hein! Bah, je vais trouver une bagnole, je vous rejoins, moi! Ouais, et tu sais quoi le pire? Tu m'as écrasé, le signe noir? Bah moi aussi, il a écrasé tout le monde. Ouais, bah moi et ta générale du corps, ok. Moi j'ai résisté aux roues avec l'alcool, ça. Tu rigoles, moi j'avais deux fractures. C'est Slane qui a amorti. Ah non, moi j'ai état général du corps, ok. J'ai plus du tout de feu, ça y est. Ma voiture est en train de mourir. Je suis peut-être illettré, mais... Mais je suis costaud. Le Twiggies, il est en feu. Oh non. Ah bah... C'est vrai qu'il est reparti là-bas, lui. Oh mais pourquoi? On avait bossé tellement longtemps là-dessus, quoi. Mes plants de tomates, quoi. Mon rangement. Les plants de tomates, ils sont très bien, les plants de tomates, ils ont rien. Mon rangement. Alors c'est un petit peu le bazar, je te le dis tout de suite, hein. Non, les caisses, elles ont fondu. Bon, bah on va retourner si les plants de tomates, ils sont bons. Bon, bah il faut que je trouve une bagnole maintenant, il y en a plus, vous avez tout. Je te couvre, Katox. Pas du tout, vous êtes. Ah, il y a la vieille marron. Ah, mais elle est un peu brûlée quand même, là, pour le coup. J'imagine que si je vais dans le sens des zombies, je vais tomber sur vous qui tirez des coups de feu. Non. Eh, je sais pas si tu sais, mais il y a quand même 4 endroits dans la ville où il y a des flammes, hein, quand même. Hein. Il y a des flammes dans tous les bâtiments de la ville. Hein. Bah, forcément, on va tomber le feu. On va où, Katox, là? On fait quoi? Je sais pas. On monte dans la voiture. Ok. Mais je me récupérerai un peu plus loin, en bas.
Voilà, ma vie est fichue là. Ah oui, oui, t'es mort. Attention, hop là. Non mais Katox, on fait ça bien, allez vas-y. Oh là là, putain. Ah non mais deux youtubeurs dans une même bagnole. Non deux mais après c'est moi qu'on accuse de mal conduire quoi. Oula, attends. Ça y est, je vous ai retrouvé. On okay, estime on... les zombies là. Et on va où? Je sais pas. Eh, fuyez, il vous a retrouvé. Il a tiré la malchance. On se croirait dans le film. Comment il s'appelait ce film là? C'était l'adaptation de Stephen King avec le camion. Le mec en camion qui poursuit tout le monde, tout le mec sur la route 66 là. Ah ouais. J'ai vu là ce vieux film super connu là. Bah si. Mais pourquoi il enflamme l'entrepôt? Et du coup le camion c'est le signe quoi. C'est clair. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais tu sais qu'en un seul épisode, il m'a quand même roulé deux fois dessus, hein. Mais c'est pas de ma faute, j'essaye de... C'est la marche arrière. J'essaye d'esquiver les zombies, mais t'as pas conscience d'à quel point je vois rien du tout, moi. Elle est raide. Non mais on a foutu un mec qui est aveugle. Mais si tu vois rien, pourquoi t'as le volant dans les mains en pleine nuit? Mais parce que vous me le donnez. Ah mais non. Tu devrais renommer ton personnage Gilbert Montagnier Game. Le truc c'est clairement avant que les zombies arrivent il avait pas son permis hein. Mais non mais c'est vrai qu'il personne voit rien m'a jamais quoi, posé la question. Et puis moi j'avais pas non plus je vous assure. Toutes ces voitures avec des boîtes automatiques c'est trop facile. Oh là là, oh là là, oh là là. T'as trouvé c'est dommage qu'on puisse pas tirer par la fenêtre quand même, c'est un peu décevant. De quoi? T'as trouvé une voiture ou pas? Ah non, bah non, mais on avait tout plié les bagnoles, moi je... Tu le fuis? Ah oui, d'accord. Moi je suis en train de venir à pied en fait, en vrai. Putain. Je viens à pied. La fenêtre. Oh. Oh non, il y a le brouillard maintenant. Oh non. J'ai vu ça. Qu'est-ce que c'est que ce bug? Putain, comment j'ai vu la boîte. J'ai été expédié en arrière en volant quoi. Circulé trois maisons. Lève-toi, lève-toi. Mais non. Les personnes. Mais moi je cours sur la route. Il y a la route comme ça et je cours au milieu de la route sur la ligne. Ah toi aussi, t'arrives désolé pas les gars, hein. Fallait pas vous faire une marche arrière dans le brouillard. Toi aussi t'arrives pas à courir et t'arrives pas à te déplacer et à te faire bouffer? Ouais ça pour l'instant c'est... C'est entre les deux. Je pense qu'il faudrait que le signe noir nous fonce dans la bagnole pour nous libérer. Ah libérer, libérer, c'est bien grand mot. Moi il m'a libéré déjà pas mal de fois hein. J'essaie de les attirer en klaxonnant, mais je sais pas si ça va marcher. Oui, bah oui, vas-y, non, mais on est bloqué sous la bagnole, il faut que tu viennes foncer dans la bagnole en fait. Oh putain, il y a une horde de zombies en flamme. Mais vous êtes sérieux, vous pensez vraiment que vous allez survivre s'ils foncent dans la bagnole? Non, oui. Mais j'ai envie de voir. Non, c'est bon, moi je vais chercher Slan. Mais non, mais on nous laisse pas comme ça, on peut rien faire, on peut même pas mourir dans le jeu. Mais on s'en fiche, vous êtes à l'écran de personne, vous. C'est vrai. Bon, Katox, vas-y, c'est pas plaisir. Hein. Faites, je sais pas, faites-vous un multi sur Overcook. C'est pas con ça. Non, mais sérieux, vous êtes bloqué, c'est vrai. Ouais, bien sûr, carrément. On est bloqué sous la bagnole, on a une toile de zombies contre nous, mais ils peuvent pas nous bouffer, on peut pas se déplacer. Ah bah, du coup, s'ils peuvent pas te bouffer, tu peux rester là toute ta vie. C'est ça. T'es en sécurité, c'est bah... T'as trouvé la nouvelle base. T'es safe. T'es safe sous ta bagnole. J'ai des chips, ici, une quoi. Bouteille d'eau, et j'ai que une chips et des bouteilles d'eau. Bah c'est cette boîte qui hein. Je me suis levé putain. Et comment t'as fait? Bah j'ai touché à rien. Ah si, en faisant mécanique du véhicule ça marche. Mais par contre mon mec... Attends, par contre... Ah ça y est putain. Mais par contre je suis mordu, je saigne. Ah mais je peux pas retourner jusqu'à vous, y'a des hordes de zombies sur le chemin. Attends. C'est possible. Non, je fais... Katox, je vais les attirer, comme ça tu pourras faire ça. Je vais mourir, mais au moins je mourrai pas pour rien. Ah ouais. T'as vu la glissade. Mais tu l'as fait trop tôt par contre. Ah putain. Je t'ai sauvé, c'est déjà pas mal. Hein. Ah, je suis infecté. Bah moi, bon, je commence voilà. À être un petit peu essoufflé quand même. J'arrive, Slan, j'arrive, t'inquiète pas. Ah bah voilà. Alors, je comprends pas le rapport entre les deux morceaux de ta phrase. J'arrive et t'inquiète pas.
donc t'as pas de sens. Et derrière son volant, tu le vois avec une tête un peu psychopathe, hein, genre, je viens te libérer. Avec son volant, là, la grimace de haine. Donc, c'est astuce, Armageddon, pour, les gars. Astuce pour vous qui êtes chez vous, si vous faites un let's play multi sur Project Zomboid, si vous êtes bloqué sous une voiture et que vous ne pouvez pas en sortir, vous faites inspection du véhicule et votre personnage va glisser sous la voiture pour aller dans le coffre. C'est magique. Ou alors, vous appelez le signe pour qu'il aussi pousse la voiture. Avec sa dépanneuse. Et après, il voudra vous libérer. Mais ça, faudra refuser. Après, faut savoir esquiver, quoi. Pas de ma faute. Ouais, c'est clair. Ah, j'ai plus de munitions. Non, mais merde, j'essaie de courir. Que... Non, mais en plus, sérieusement, ça, je suis... pour la deuxième fois où je t'ai écrasé, là, je suis désolé, je voulais essayer de nettoyer les zombies derrière toi. Tu visais d'amener, c'est ça? Non. Je voulais nettoyer les zombies derrière toi et tu t'es arrêté, du coup. Bah. Ah oui. Non mais, bon, non, mais j'avoue, il y a un truc quand même. À un moment, je t'ai coupé la route et je suis passé juste devant. Mais non, là, tu m'as bien. T'as freiné, t'as pillé, tu m'as laissé passer. T'as super bien géré, quoi. Et hey, Damned, oh, dommage qu'on n'a pas une caméra, hein, parce que le last time qu'on est en train de faire... C'est clair. Par contre, je vais bientôt mourir, moi. Ah, non, mais enlève tes vêtements et déchire. Ouais, mais je saigne, mais ça va encore. Je crois que c'est plus l'accident qu'autre chose. Ouais, t'as raison, je vais faire ça. Ouais, mais je suis mordu, saigne, infecté, excuse-moi. Ouais, mais tu peux peut-être tenir, ils ont sûrement un vaccin, là, où on va aller. Non, non, pas encore. Bon, Slab, t'es où, là? Mais je te laisserai sur lâcher. La route, au milieu de la route, hein, mais qu'est-ce que tu veux, c'est un truc qui peut long. Parce que moi, il y a des zombies au milieu de la route, mais il y a mais pas de nous, on est quand même vachement déçus, parce qu'effectivement, si c'était filmé, on est tous les deux avec nos fusils à pompe dans un brouillard à la Silent Hill, quoi. On aurait fait un multivision 4 écrans, là. C'est clair. Moi, je suis torse nu avec mon fusil à pompe, en train à moitié de crever. Putain, on est dans le brouillard, c'est magnifique. Oh non. Et la stand dans l'hôtel, il y aura forcément des vêtements pour faire des... On va se retrouver à l'hôtel alors. L'hôtel c'est mi-chemin de là où je veux aller. Sac. Pas la route. Damned. Oui. T'aurais dû prendre de volant, Damned. Bah là je peux pas tout de suite. allez, pousse. Tu peux boire si tu veux, il y a de l'eau dans le lavabo. Enfin peut-être qu'il y en a plus, mais. Faire fabriquer une corde de drap. Et je pense qu'on va pouvoir se barrer. Attends, ouvre pas la porte. Je pense qu'il va arriver. Ouais, ouais. Allez, ça passe. Mais j'ai pas. Oui, ça passe. C'est beau. Eh, tu sais que quand on n'a pas ta vue, ça fait bizarre quand même de t'écouter. Je veux bien te croire. Je suis deux appartements plus bas. Hein. T'es allongé dans un lit et tu te reposes? C'est à peu près ça. C'est con, j'ai plein de médocs au Twiggies. Ouch. T'as pas pensé à prendre une petite valise en partant? Non. J'aurais dû avoir dans la bagnole marron qui a brûlé, il y avait plein de trucs dans le coffre aussi. Non, je l'avais vidé le coffre. Ah, super. C'est vrai qu'on a jamais pensé, mais on... À faire des bagnoles de secours. Ouais, à faire un truc de secours tout prêt à partir, quoi. Bah écoute, voilà, nouveau conseil pour les viewers. Hein. Il faut qu'il y ait un truc. Préparez-vous une bagnole ou alors. Ah, il y a Slan, t'es là, Slan. Salut, Slan. Super. Je suis là. Ouais, super. Ouais. Super, je suis sauvé. Tiens, vas-y, le signe, descend. Non, je mets de la fille. Si, tu descends. Non, je descends pas. Elle est fermée à clé, ta putain de porte arrière. Mais je sais pas comment ça se fait. Elle est cassée. Allez, chips. Je vais au 13 private drive. Ah mais tu t'es remis d'accord, t'es rentré. Bah je me suis mis là où il y avait une fenêtre hein. Je reprends le volant du coup hein. Vous êtes témoin hein, j'avais laissé la place au conducteur et Slan a tenu à ce que je reprenne le volant. Mais je tiens à dire que t'as une fenêtre hein, t'es protégé hein. Ouais, Par contre, le conducteur il est pas protégé. Enfin le côté passager. Putain mais y'a aucun vêtement là dedans quoi. Quand même, c'est. Il y a des poteaux partout. Ah ouais, mais c'est chiant les poteaux. Ils poussent dans tous les sens, hein, c'est bordel. Ça, c'est marrant, je repasse au pifo, j'ai l'impression de refaire le même chemin tout le temps. Je vois pas de quoi tu parles. Ah!
Eh les gars, essayez de trouver. Essayez de trouver des affaires. Bah ouais. Attends, j'enlève le verre brisé ici, tu sauras peut-être les quoi. Et surtout les trucs de forestier là, pour pouvoir faire des feux de camp, tout ça là, parce que ça va être compliqué. En fait, faudrait aller dans une maison, je pense qu'on a plus de chances de trouver quelque chose. Ouais, c'est déjà de survivre, je crois. Ça sera pas mal. Bah, moi avec une blessure sévère, on fait ce qu'on peut, ouais. Mais ça va aller, Damnette, tu vas y aller, ça va, on va réussir à t'amener jusque là-bas, t'inquiète. C'est vrai. On abandonne personne, oui. Rien, j'ai même été rechercher cela. Même. J'ai plus d'armes, putain. Alors, ouais. Ok, d'accord, bon, je ressors le gun. Ah, ouais, c'est ça. Oh là, c'est la cata. Alors, moi, niveau stuff, j'ai rien. Ah, bah, moi, il me reste des bombes incendiaires. Mais en fait, je m'en fous qu'ils me remordent, je suis con, moi. Voilà, tu risques juste de mourir, quoi. Oui. Mais de toute façon. Non, quand t'es mordu, t'es pas forcément mort, hein. Non, oui, bien sûr. Bah, non, je suis infecté, mais. Mais tu sais quoi, on a été mordu tellement de fois dans cette série que statistiquement. Il y a des NC adaptés, ouais, je pense, ouais. Non, mais par contre, on sait que tu peux mettre plusieurs épisodes à mourir. T'es pas mort. Ah oui, oui. Non, mais oui, puis même, je vais te dire sincèrement, t'as 4% de chance que tu sois pas infecté. Je suis infecté. Je te l'ai déjà dit. Non, mais que tu sois pas en vrai mourant. Ah ouais, 4% de chance. Mais oui, mais il suffit que ça fait bien 25 fois déjà. On passe sur le haut, Damnette, t'as vu le carnage? Ouais, j'ai vu, c'est magnifique. Tu me diras, je suis tombé du toit d'un moment. J'ai survécu, j'ai même pas eu de fracture, je me suis fait écraser par le cygne, j'étais ok. Je peux y croire, hein. Je peux y croire, hein. Ah bah, c'est pas pour rien que t'appelles psycho, hein. Ouais, c'est mais clair, non mais... Mais après, tu t'es fait rentrer dedans, comment vous êtes débrouillé pour être sous la bagnole? C'est pas la position adéquate, ça, normalement, en non en fait, non, la voiture était renversée, et quand on a voulu sortir, on s'est retrouvé dessous. Parce qu'on était sur le toit, si tu veux, à moitié, quoi. On a fait un tonneau, en fait, quoi. Ouais, la voiture, elle était sur le côté, et du coup, quand ils ont mais pourquoi vous avez fait un tonneau? Qu'est-ce qui vous est encore arrivé? Il y avait Katox qui était en train de rouler, j'étais derrière, puis d'un seul coup, il a essayé de foncer dans une voiture, alors il a freiné. Eh, mais sérieux, c'est encore le cygne qui a renversé votre bagnole après, carrément? Bah oui. Non, c'est eux qui m'ont reculé dedans. Non. On se casse, Katox, ça pue ici, non? Attends. Ouais, bah, l'autre côté, maintenant. Attends, c'est vrai? Cours. Oh, putain. Là, il y a mes affaires, là. Énorme. Ouais, mais on va pas s'arrêter, hein. Ah bon? Il y a le feu partout. L'autre côté, ça passe. Ouais, la belle esquive. Ouh. Allez, on se casse. Alors, vous êtes où là? Il y a plein de zombies morts partout. Quelque chose me dit que vous êtes passé par là. Petit conseil, vous arrêtez pas à l'hôtel. Non, mais est-ce pas du tout. Au poste de police. Rien, tu vois, il est là, leur voiture. Il est plus bas. Ok, donc on est plus bas. Si vous avez un véhicule, on est beaucoup plus bas. Regarde, il y a le spiffose. Et vous êtes plus bas que le poste de police, c'est impossible. Vous c'est continuez sur la 4 voies, vous continuez sur la 4 voies encore. Ouais, on va aller d'ailleurs, je vais me mettre sur le trottoir, parce que si je reste sur la 4 voies, je vais... Oui, la bagnole du cygne. Remarque, ça a peut-être extrêmement virus, hein. Ah. Oh là. Et c'est là, le poste de police. Oh là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh putain. Non, là, c'est l'hôtel, là. Oh là là. Ah bah, on est juste après l'hôtel, continuez. Si vous voyez un mec en plein milieu de la route avec un flingue torse nu, regarde, c'est moi. Ouais, je vous vois. Mais vous êtes plus en voiture? Descends, bah, connard. Mais non, on a plus rien. Mais pourquoi vous êtes plus de voiture? Bah, parce que t'as pas entendu. Tais-toi et roule en voiture. Putain, ouvre-moi cette putain de portière. Tu peux pas. Oh. Ça revient, Slan. Il a réussi à rentrer. Merde. Putain, mais Slan, t'es parti où, putain? Bah, cherche du stuff pour qu'on survive, on peut pas y aller les mains vides comme ça, on va crever. T'as regardé mon bras, elle est belle ma blessure ou pas? Ça va, ça pue pas trop? Après, il va encore se précipiter devant la voiture et dire que je l'écrase, quoi. Ah merde, j'ai plein de zombies là-dedans. Je voulais dire que j'avais un kit de secours, mais le kit de secours je l'ai mis dans notre ancienne bagnole. On peut y retourner si tu veux. C'est bah, presque mal, safe. Non. Ah bon? Ah, mais y'a du brouillard là ou quoi? On voit plus rien. Bah oui, y'a du. Il y avait un kit de secours dedans, c'est dommage quoi. Bah écoute, rentre, on y va. Ok, on les abandonne. Il a cherché.
quitte à la bagnole, on va plus avoir de carburant quoi. Ah merde! Katax, t'as été mordu? Non. Y'a du feu par là hein? Ouais, y'a du feu, ouais, c'est l'hôtel. Non, y'a pas d'essence dedans. Oh, mais y'a la clé et tout, donc si on a de l'essence. On va chercher de l'essence hein. Bah, là, de l'essence, y'en avait sur mon cadavre, tu vois, on se sera arrêté. On est où nous? C'est d'où ça? Hop, c'est ça, c'est ta voiture ça. Il en reste. Je vais peut-être la reprendre du coup, non? Ça sera bah, plus safe. Si elle roule, hein. Elle roule. Attends, non, ouais, elle roule, ouais. On a une voiture. Au moins, elle roule. Ouais, c'est bon, on est allé chercher l'autre bagnole. Comme ça, je vais pouvoir me soigner dans le kit de secours. On arrive avec deux voitures. Pas d'essence. Hop. Et plus de vitres, hein, bien sûr, mais. Hop. On est parti chercher un jerrycan à la station. Oh là. Ouais, ouais, bah c'est bien parce qu'elle est dans un sale état celle-là, hein, putain. On a trouvé deux voitures qui sont presque neuves, mais sans... Moi j'ai soif, hein. Moi je suis déshydraté. J'ai une bouteille d'eau si tu veux. Moi j'ai une légère douleur, une blessure légère. Je suis un peu soucieux. Arrête de te plaindre, ça peut être d'amener, je te dis, moi j'ai soif. Je te la dépose ou pas? Je t'emmerde. Elle est où cette station essence là? Ah, c'est fou. Ah, vous êtes là. Merci. Salut. Comme tu crois avoir tout vu, bah non, t'as encore des trucs quoi. Ah merde! J'ai pris un lampadaire. Au point d'en suis, vous grimpez pas parce qu'il y a des zombies qui s'approchent. Ah, vous êtes là? Non, on grimpe pas là, y'a trop de zombies. Katox, on meurt, vas-y, attends, viens, viens, Katox. Comme ça. Parce que moi, je veux pas conduire, hein. Hop, vas-y. La dernière fois que je suis monté dans une bagnole comme ça à l'arrache, je suis mort donc maintenant. Parce que moi, excuse-moi, mais faut que je m'occupe de moi un peu. Ok, kit de premier secours. Alors, blessure modérée. Ah, c'est mieux. Ah, on a plein de conservatives. Là, il y a le green, c'est... on peut peut-être s'arrêter pour brancher. Bon. C'est pas plus simple d'être avec le signe en fait. Mec, t'as raison. Je reste là, hein, tu me permets. Pourri. Oh. Est-ce que vous avez de l'eau? J'ai encore un petit peu d'eau, ouais. J'ai droppé ma bouteille à. Il y a encore des trucs frais et tout. Ça arrive, hein, par contre. Ça arrive. Vous avez un couteau? Ah, ils arrivent en masse là. Soda Laurent, j'ai pris. Damned, t'as pas de fenêtre, tu vas crever. Je sais. Chips. Bouge la voiture, ça y est, il rentre, Slan, que je puisse partir. Bon, bah, il m'a égratigné à la tête. Oh. C'est pas grave, t'as rien dedans. Ça, c'est vrai, mais blessure très sévère. Bon, bah, je vais monter avec vous, les gars, hein. Ouais, attends, j'arrive! J'essaie de les éloigner un peu, mais. Eh, j'ai pas de fenêtre, fonce! J'ai pas de fenêtre! Mais ouais! Mais fallait pas l'attendre! Oh bah après, tu te plains! On peut pas monter dans les bagnoles comme ça quand t'as des zombies! Ok, Tug, salut, hein! Mais vous êtes, quoi, vous êtes tous les trois morts? Non, moi je suis parti, moi, avec eux, parce que j'allais crever dans la bagnole là! Mais pourquoi t'as pas démarré? Parce que j'étais à la mauvaise place et j'étais en train de me soigner. Non mais c'est bien si tu te soignes, il y a des allumettes là, c'est bien, je vais le prendre. Ouais, tiens, je vous donne des chips si vous avez faim. Moi, si t'as quelque chose à boire... Bah, une bouteille vide. Ouais, il y a une bouteille vide si tu veux boire. Et j'ai même une deuxième bouteille vide, et ça, tu vas peut-être faire 2-3 gouttes d'eau. J'ai une serviette de bain. Vous êtes mis où? On a foncé en bagnole. Ça y est, on est déjà à une autre ville là. Ah, t'es à la fameuse Rosewood. C'est un Rosewood, moi, la base secrète, hein. Si vous voulez qu'on y aille, on peut tester, hein. Moi, j'ai pris... Attends, qu'est-ce que j'ai pris? En speed, j'ai pris des chips, du chocolat et une bouteille de soda, je crois. Si t'es sur le point de mourir de soif, tu me dis quand même le signe que je considérais. Ah, regardez, il y a une clé. Je suis assoiffé. Attends, il y a une clé. Attends, je coupe le moteur, tombe pas. Vas-y, sors. Et on va arrêter l'épisode là, de toute façon. J'espère que cet épisode épique vous aura quand même plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, à faire coucou, à aller voir la vue de Slan et on se dit du coup à très vite pour la suite. Adieu les gens. Pas d'essence. Ah.